Alors, le club d'Auxerre, par hasard, j'avais pu avoir un joueur qui était à Metz, qui s'appelait Marianne Seya, et quand je suis monté en deuxième division. Et c'était difficile parce que c'était un grand joueur, il avait été aux Jeux Olympiques, je crois, de Mexico. C'était un peu, on m'avait dit, le quatrième gardien polonais. Il aurait presque pu être au championnat, à la Coupe du Monde en Allemagne. Et donc, j'ai pu le faire venir en 1974 et il a été formidable. J'ai eu dans mon équipe ensuite Batz, international, Martini, international, Charbonnier, champion du monde. Eh bien, il était meilleur que les trois. C'est le meilleur gardien de but que j'ai jamais eu. Après, Sikovic a joué, ailier droit, et puis après, ça s'est enchaîné. Le joueur suivant qu'on a eu et connu, c'est Joseph Klose, qui était à Odra au Polé. Il avait un petit garçon comme ça. Je lui ai, pour le Noël du club, je lui ai offert un petit ours. Et il a toujours le petit ours. Et quand j'allais au Bayern, au match, à la sortie, il me faisait toujours une bise. Il nous a aidés à monter en première division, jouer la finale de la Coupe. Il a fait marquer un but. Et il a, après, joué jusqu'à ce que Charmac arrive. Et avec d'autres, après, il a laissé sa place parce qu'on avait droit qu'à deux étrangers. Pavel Yanas est venu parce que il connaissait Charmac, bien sûr, et je suis allé le voir, lui, à la Coupe du Monde en Espagne, où la Pologne a battu la France pour la troisième place, et Pavel Yanas était titulaire, arrière central. Hein. Et donc, après la Coupe du Monde, mon président a pu négocier. On négociait avec le ministère des Sports. Hein. C'était très difficile. Très bon négociateur, défendait les intérêts de la Pologne très bien. Mais enfin, on pouvait trouver un accord après deux jours. Et donc, on a eu Pavel Yanas, qui était un international, un joueur de grand talent dans l'Europe. Bon, Pavel a joué et devant lui, il y avait Basile Boli, qui avait 16 ans, 17 ans. Et lui a donné les conseils déjà. Et Basile Boli lui doit beaucoup.